Un hommage appuyé a été rendu hier à la presse pour sa forte implication dans la couverture du crash du vol AH-57 d'Air Algérie. Le président du comité de crise, le général Gilbert Diendéré, et le secrétaire général de l'association des parents des victimes ont traduit leur reconnaissance aux hommes de médias. Une occasion aussi pour solliciter leur accompagnement pour de futures actions. Alidou Badini, Dramandadia. C'est un cadre voulu par le comité de gestion de crise du crash de l'avion Air Algérie pour dire merci à la presse mobilisée depuis la fatidique date du 24 juillet 2014. Reconnaissance traduite également par l'association des parents des victimes aux hommes de médias. Je vous remercie du fond du cœur, très sincèrement, pour tout ce que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force de continuer à mener votre combat, un combat de justice. Un noble combat, je vous remercie au nom de toutes les familles des parents des victimes. Nous ne pouvions pas rester longtemps sans dire merci à la presse pour ce qui a été déjà fait. Et nous savons qu'elle va encore nous accompagner pour ce qui reste à faire. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas encore terminé. Nous aurons besoin de votre concours, nous aurons besoin de vous pour toujours donner des informations relatives à cet accident qui a eu lieu le 24 juillet 2014. Ce drame aérien du vol AH-57 d'Air Algérie a fait 116 morts de 15 nationalités différentes. Plus d'un an après, les enquêtes se poursuivent. Assurance donnée ici par le général Gilbert Diendéré et son équipe aux journalistes et aux parents des victimes qui attendent toujours de connaître les causes exactes du crash. Une minute de silence.